Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il me semble que nous sommes le samedi, ça c'est sûr, 17 décembre. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai répondu à Nanouchka. C'est vrai que de plus en plus, les commentaires sont désactivés. Donc à mon avis, hein, j'ai bien compris d'où ça venait. Voilà. Voilà, je ne peux plus rien dire. Pourtant, je dis pas énormément de choses par rapport à d'autres personnes. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis bien visée. Voilà. J'ai, comment on appelle ça? Entre guillemets, des avertissements, des choses comme ça. Enfin bref, ça continue et c'est de pire en pire. Donc, ce n'est pas grave, tant que je suis là pour dire les choses. Bon, après, c'est embêtant, mais bon. Ce n'est point grave, donc j'ai répondu à Nanouchka. Voilà, je me suis fait donc un petit capoute là. Voilà, et non pas un café express que je l'ai déjà bu ce matin. Et donc j'espère que vous allez bien. Ici, il y a, je pourrais dire, ouais, quand même du brouillard parce que c'est bien brumeux, hein. Donc que ça soit dans l'est ou dans le nord-est. Après, le brouillard, parfois, s'évapore, n'est-ce pas? Et puis après, ça laisse place un petit peu au soleil. Alors, ce matin, j'étais réveillée très tôt à cause de mon genou, bien sûr. Du coup, à je ne sais pas quelle heure, j'étais en train de décongeler le haut de mon frigidaire, qui n'est pas très grand. Et j'ai un autre congélateur avec trois tiroirs. Et vas-y, Cathy qui gratte avec le plateau, une vieille serviette en dessous, etc. J'ai dû prendre mon séchoir. Donc, merci Marie, c'est une bonne idée. Parce que le haut, il y avait tellement de la glace que même en grattant, j'arrivais pas à le faire partir. Donc, ça a été long. Et puis, d'un seul coup, ça sonne. La factrice qui m'a apporté un colis. Et je voulais vous montrer donc ce que j'ai eu par ma sœur aînée. Donc si tu passes par là, Sorette, je te fais un coucou. Donc en plus, voilà, j'ai eu un cadre, je vous le montrerai. Elle est en pleine créativité, donc ça fait longtemps qu'elle tricote des écharpes pour les personnes qui en ont besoin. Voilà. Pour me faire plaisir aussi, j'en ai reçu aussi. Je me surpose parce que j'entends du monde là. Hop. Et la factrice est passée, ça sonnait quand même assez tôt, donc c'est tant mieux, j'ai été présente. Et j'ai eu un colis, donc je l'ai ouvert, etc. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai gardé ce papier cadeau parce qu'on voit que c'est fait quand même avec amour. Voilà, c'est fait comme ça. Voilà, il y a celui-ci aussi, où normalement il y a... Voilà. Et puis il y a celui-ci aussi et on a un autre. Bref. Alors déjà je vais montrer. Déjà je vais commencer par. Alors il n'y a pas de phrase du jour parce que j'ai reçu donc. Je vais montrer après. Donc nous allons voir au niveau des 365 jours donc de méditation. Ici. Donc nous sommes bien le 17 décembre. À garder en tête, méditer, ce n'est pas arrêter le flux incessant de ses pensées, mais les observer. Donc ici, donc c'est très court. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais boire une gorgée de mon cappuccino parce que j'ai des choses encore à faire. Donc j'ai reçu ceci. Je n'ai pas la pile. C'est tout mignon. Voilà. C'est tout mignon, donc je vais mettre une pile et puis je vais enlever le ticket et je le mettrai en déco ici. Voilà. J'ai reçu aussi, alors j'aime bien le bois. Alors c'est un peu ce que j'ai mis à mon sapin de Noël en haut, mais on ne le voit pas là. Donc je vais le remplacer par celui-ci. Voilà. Donc on peut l'accrocher aussi à une porte, voilà, pour les fêtes. Donc merci. Et puis, j'ai eu donc ce qui m'a beaucoup plu, ce que je cherchais en plus. C'était vraiment la surprise. Donc, message lumière, la magie de l'image, de la pensée, clé réunie en 54 cartes couleurs.
Voilà, image et texte, Mario, donc Duguay, il me semble. Donc c'est texte et image. Alors, ça a été imprimé au Canada. Donc je vais m'en servir, on verra ce qui va en sortir. Alors ça, c'est l'enveloppe. Hop. Joyeux anniversaire, sœurette. Voilà, avec des petits cœurs. Puis des roses. Voilà. Alors, très chère sœurette, oui, parce qu'on s'appelle sœurette, c'est ma sœur aînée. Je te souhaite un bon et heureux anniversaire. Et oui, 62 ans déjà. J'espère que ce cadeau te plaira. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Et tu pourras donc faire parler donc les cartes. Je les trouve très jolies. Moi ici, je suis seule, je serai seule, donc, mais bon, j'ai l'habitude pour Noël, etc. Je te parlerai d'un projet pour l'année prochaine, donc elle m'en a parlé, je vais vous l'expliquer. Je pense bien fort à toi, prends bien soin de toi, je t'embrasse bien fort, gros bisous, ta sœur qui t'aime, et je ne dis pas le prénom. Voilà. Donc, merci. Et puis là, ici, voilà. C'est Mimi, hein? Joyeux Noël avec des petits bonhommes, des petits. Voilà. Et la carte Joyeux Noël et Bonne année. Joyeux Noël. Et ici, Bonne année. Alors, très chère sœurette, je te souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne et heureuse année 2023. Surtout une bonne santé et un moral d'acier. J'espère que ton genou ne te fait pas trop souffrir. Merci encore. Je t'envoie ces quelques cadeaux en espérant qu'ils te plairont. C'est du personnalisé, donc le cadre que je vais vous montrer tout à l'heure. J'espère aussi qu'on se reverra bientôt. Je t'embrasse bien fort. Gros bisous, ta grande sœur qui t'aime. Et voilà. Donc merci ma sœurette. C'est mignon tout plein. Donc oui, des écharpes, du tricot, le dessin, la peinture, alors qu'elle ne faisait pas tout ça. Voilà, puis elle a créé d'autres choses. Donc elle m'a envoyé un tableau qui a été fait au dessin après la peinture, il me semble. Donc je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc c'est exotique, comme elle dit. Donc je vais commencer par le bas. Donc l'initiale. Voilà. Alors, je vais le tourner, hein, je suis désolée parce que je ne sais pas comment je vais faire. Je vais le tourner comme ça. On voit le reflet. Donc c'est très coloré, j'adore. J'adore les couleurs. Et c'est exotique. Donc c'est quand même bien pour un début quand même. Donc c'est bien centré, etc. Voilà. Hop. Voilà, donc elle avait tout acheté, hein, les crayons, les peintures, les cadres, etc. C'est dommage qu'on ne peut pas voir bien l'eau entièrement comme ça. Voilà, donc ben merci, je l'accrocherai. Je ne sais pas où, mais je trouverai bien une place parce que c'est vrai qu'ici, c'est très... En déco, c'est très chargé. Voilà. Et puis, donc, message et lumière, voilà. Donc, nous allons voir ensemble ce qu'on a à nous dire. Je vais enlever tout ceci. Hop, je vais faire de la place. Je vais me débarrasser de tout ça. Donc, je finis mon cappuccino. C'est trop mimi, hein. Il manque plus que la pile et c'est trop joli. Donc, bien sûr, je l'ai ouvert et je l'ai purifié, puisque je l'ai appelé pour lui dire que j'ai bien reçu le colis. Elle avait peur que le cadre soit brisé, et non, ça a été bien emballé, bien protégé. Et donc, nous allons voir ensemble. Alors, le dos est assis, alors elles sont très longues. Voilà. Voilà, elles sont souples. C'est pas mal. Donc on va voir ce que on va nous dire aujourd'hui. Donc message lumière. Voilà.
Donc on va voir un petit peu. Donc s'il vous plaît, alors elles sont très longues. Alors oui, je les ai purifiées hein, tout le temps. Et puis je les ai gardées aussi sur mon cœur pour avoir l'énergie. C'est pas évident parce qu'elles sont très longues. Je sais pas comment il y en a qui font là. Alors, je vais les mélanger et puis je vais couper. Ah, il y en a une qui veut, hop, qui veut venir. Donc, j'ai regardé vraiment vaguement. Donc, ici, on dit de l'autre côté. Donc, je vous montre le graphisme. Il y a un magnifique soleil. Ça rayonne avec un beau pont. Et je vais vous lire. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Donc on garde espoir. D'accord? On garde espoir et on garde la foi et on sait très bien que après la pluie, comme on dit, vient le beau temps. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire encore un peu de patience. Un peu de patience. Parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais qui me disent oui, mais c'est long et tout, machin, etc. Mais je vous avais dit que il y a plein de choses qui sortiraient parcimonie, hein, petit peu par petit peu, voilà, mais sûrement. Je vais voir juste le dos. Retrouver mon identité. Hop. Donc les messages du samedi. Donc je vous montre le graphisme. Voilà, comme ma sœurette elle a dit, c'est très joli. C'est magnifique. Retrouver donc mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. J'espère qu'il y a des personnes qui s'en aperçoivent. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. N'oubliez jamais que vous êtes tous des êtres merveilleux. À part, à part les personnes sur YouYou qui embêtent les autres là. D'accord? Elles sont pas du tout, ce ne sont pas des êtres merveilleux. Allez, on va voir encore s'il y a autre chose. Allez, s'il vous plaît. Hop. Elle voulait venir. Elles sont très longues quand même, hein. Elles sont quand même assez longues. Hop. Alors, waouh. Ici et maintenant, vous voyez tout ce qu'on vous dit là. Retrouver mon identité, pardon, on vous dit ici et maintenant, à l'instant T même. Donc je vous montre le graphisme qui est magnifique. C'est rayonnant, hein. Ça rayonne, hein, au niveau du troisième œil et au niveau du chakra du. Alors, je ne sais pas si c'est du cœur ou du plexus solaire là. En tout cas, ça rayonne. Hein. Donc, vous voyez, retrouver donc son identité pour les personnes qui l'ont perdue. Et on vous dit de retrouver cette identité ici et maintenant, à l'instant T, au présent. Alors. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Donc ceci s'adresse à certaines personnes qui travaillent dans la lumière pour les êtres et pour la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé, c'est-à-dire... Ici, maintenant, c'est vivre dans le présent. Comment dire, vraiment vivre dans le présent. Voilà, il y a des
Il y a des moments où il faut ne pas penser au passé, ne pas penser au futur. Vivre l'instant présent, tout simplement. Je fais avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. C'est-à-dire, si vous avez envie de quoi que ce soit, etc., ça je l'ai répété à plusieurs reprises, hein, ma parole et mon action, son action, eh bien, avec vos pensées et vos paroles qui sont déjà créatives, eh bien, ce que, comment dire, ce que vous souhaitez, il faut déjà le visualiser comme si c'était déjà fait, c'est-à-dire avoir un pas déjà en avant. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc pour certaines personnes, voilà ce que l'on vous dit. Écoutez, hein, il y en a pas mal puisqu'il y en a 54. Hein. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, elles sont toutes neuves. Elles ne glissent pas trop. Hop là. Je donne. C'est vrai que j'adore les graphismes, ils sont magnifiques. Hein. C'est très angélique. Donc, je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Telle est la véritable, le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Si tout le monde pouvait être comme ça serait vraiment magnifique. Donc je donne sans attente. D'accord? Sans attendre quoi que ce soit. Sans compter, tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour tout autour de moi, comme je vous ai expliqué, et je deviens alors source de lumière. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà. Il faut donner, il faut ouvrir le meilleur de soi tout autour de soi. Et c'est sur ce dernier message que je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et je vous retrouve en principe dimanche après-midi pour un essai de live. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est juste un essai. Ça se trouve que ça n'ira peut-être pas plus loin. Je ne sais pas. Mais je vous dirai exactement vers quelle heure. Alors je sais que dimanche après-midi, il me semble qu'il y a la finale hein, du match. Là, voilà. La France et l'Argentine, il me semble. Donc il y a peut-être des personnes qui vont regarder. Je ne sais pas. En tout cas, je vous dirai l'heure, je vous fais des bisous et je vous souhaite une magnifique journée. Alors, vous voyez, en premier, de l'autre côté, d'accord? Ici, retrouver donc mon identité et quelque part ici, c'est ici maintenant, hein, c'est l'instant T. Apparemment, c'est retrouver son identité maintenant, au présent. Et lié à ceci, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle de donner sans attente et je donne sans compter. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et très bon samedi à vous. Bisous, bisous.